Je suis Jean Van Roy, quatrième génération d'une lignée de brasseurs de lambic à la brasserie Cantillon. La brasserie Cantillon a été fondée ici en 1900 par Paul Cantillon et est aujourd'hui la dernière brasserie de lambic encore en activité sur Bruxelles. Le lambic est une bière très spéciale, une bière tout à fait unique au monde. C'est la dernière bière de fermentation spontanée, c'est-à-dire la dernière bière qui fermente naturellement sous l'action de levures sauvages. Pour moi, la bière belge n'existe pas en tant que telle. C'est beaucoup plus vaste que ça, ce sont les bières belges. Il y a beaucoup de bières dans notre pays qui ont une longue histoire, des bières fabriquées de façon différente, avec des céréales différentes, avec un type de fermentation différente. Et pour moi, aujourd'hui, la bière belge, c'est plus une question d'état d'esprit, une question de mentalité. D'après moi, en 2050, on va abreuver la planète un petit peu comme on l'abreuve aujourd'hui, c'est-à-dire à coup de publicité et de marketing pour des boissons qui ne sont pas spécialement bonnes, qui ne sont pas spécialement extraordinaires, mais dont les publicistes vont pouvoir vanter les mérites et vont pouvoir distribuer beaucoup de boissons partout dans le monde. Alors la bière en 2050, d'après moi, sera une bière de qualité, puisque si la majorité de la population va boire des produits plus standardisés, des produits plus industrialisés, je crois qu'une bonne minorité des consommateurs boiront toujours une bière de qualité avec des matières premières de qualité, du malt, du froment, du houblon de qualité. Les brasseurs prendront le temps de faire leur bière. Et je crois que des bières traditionnelles comme le lambic, qui sont très rares aujourd'hui, vont petit à petit refaire surface et se mettre à revivre d'ici 40 ans.